Donc là, des gens, ils ont dit, lorsqu'il y a un hadj, il a dit, on donne, il donne pas la qima. On lui a dit, mais Omar ibn Abdelaziz, celui qu'on a appelé le cinquième calife bien guidé, c'est pas n'importe qui. Il a dit, on peut prendre, il a prôné en argent. Et là, l'imam Ahmed regarde, il a répondu quoi? Qala rahimahullah. Yada'ouna qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa yakouloun qala fulan. Qala ibn Omar. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقال رحمه الله قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان Donc regarde ici l'imam Ahmed. On l'a dit, lui, ce grand imam qui est Omar ibn Abdel Aziz, il apprenait comme ça. Il apprenait en argent, il acceptait. Et là, il dit, la personne vient et elle délaisse la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils disent, un tel il a dit, un tel il a dit. Alors qu'Ibn Omar il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a rendu obligatoire. Puis il a cité la nourriture. Et Allah, azza wa jal, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. L'imam Ahmed l'a dit, les gens ils sont venus, ils ont repoussé les sunan et ils ont dit, un tel il a dit, un tel il a dit. Donc là, cette mes'ala, il faut la comprendre. La sortir en argent, ou bien sortir la zakat en nourriture. La première des choses, c'est savoir avec qui on parle. Si on parle avec des étudiants qui veulent apprendre le khilaf, apprendre à quoi l'a'im, alors on leur dit, hadha al-khilaf mawjoud. On leur dit ça, c'est une divergence qui est présente depuis l'époque des salaf al-salih. قال به أبو حنيفة قال به الحسن البصري قال به عمر بن عبد العزيز قال به ابن تيمية رحمه الله donc des grands savants ils ont dit ça الحسن البصري عمر بن عبد العزيز ابن تيمية il n'y a pas de problème on apprend la divergence ensuite on regarde qu'est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit où est le jumhur où est la plupart des savants où est la majorité des imams Où est le texte? Et là, la personne, il apprend la divergence et comme ça, il gravit les échelons dans sa compréhension du Coran et de la Sunna. Et ça, il n'y a aucun problème dans cela. Donc ça, c'est une chose qui est l'apprentissage. Dans ton apprentissage, nous, on n'est pas comme ceux, non, on n'accepte pas la divergence, a'oudhu billah. Là, la divergence, elle est présente. Et ces imams-là, eh ben, on espère qu'ils sont entre la récompense et les deux récompenses. Comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le juge, eh bien, il fait l'effort et qu'il a juste, il a deux récompenses. Et lorsqu'il se trompe, il a une récompense. Donc, quand on discute dans une sphère scientifique, il n'y a pas de problème. On va dire, khilaf, mu'tabar, un khilaf acceptable qui est présent depuis longtemps et on apprend cela. Ensuite, la deuxième partie de la chose, c'est lorsqu'on va vouloir œuvrer. Et adorer Allah Azza wa Jal avec ces choses-là. Et bien là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence. Il y a une différence entre l'apprentissage, apprendre la divergence, apprendre la parole des gens de science, et œuvrer, adorer Allah Azza wa Jal. Ton din, ta religion, là, ce n'est pas pareil. Toi, quand tu vas adorer Allah Jalla wa Ala, et bien il faut que tu sois le plus proche de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le plus proche de ce qu'il a fait, le plus proche de ce qu'il a légiféré. Tab'an, on ne t'a pas dit de venir avec ta compréhension à toi et tu viens avec une compréhension qui n'a rien à voir et personne n'a compris comme toi. Non. Mais tu dois regarder justement. Qu'est-ce qui est apparent du texte du prophète, alayhi salatu wassalam? Donc là, ici, les gens, ils ne font pas la différence entre l'étude, l'apprentissage et ce que je vais prendre pour œuvrer. Allah dit dans le Coran يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Le jour où il les interpellera et il leur dira qu'avez-vous répondu aux messagers Allah Jalla wa'ala dira qu'est-ce que tu as répondu au prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là qu'est-ce que tu as répondu au prophète alayhi salatu wassalam quand il t'a dit qu'il fallait la sortir comme nourriture un sa' de date un sa' d'orge du haqit
Qu'est-ce que tu vas dire quand on va te dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tu'matan lis-sa'im, tuhratan lis-sa'im, tu'matan lil-masakin. Une purification pour le jeûneur, une nourriture pour le pauvre. Tu vas dire, mais Foulan, il a dit, mais Allah, il t'a dit, ma'adha ajabtumul mursalin. Qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers? Donc, nous, on respecte la divergence, ça, c'est un fait. Lakin, lorsqu'on veut œuvrer, lorsqu'on œuvre et qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et bien nous, qu'on essaye de faire en sorte que, comme il disait certains, aucun savant voie que ton action, elle est pas acceptée. Essaie de faire comme ça, quand tu peux le faire. Et quand l'autorisation à Rukhsa, elle n'est pas claire. Toi, tu me mentionnes la divergence. Et tu me dis, Foulan, il a dit. Taïb, moi, je veux dire que Foulan ils ont dit que la tienne, elle était caduque, elle n'était pas acceptée. Et moi qui vais la sortir en nourriture, eh bien, toi, tu ne pourras jamais me dire qu'un tel ou un tel parmi les gens de science qu'on aime et qu'on respecte, il m'a dit qu'elle n'était pas acceptée. Donc, on craint Allah Azza wa Jal dans ces messages-là. Et on essaie justement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a légiféré, tout en respectant la parole des gens de science. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.